L'ECMO, c'est une technique que, quand on l'utilise dans le contexte de l'arrêt cardiaque, va permettre de perfuser et oxygéner le cerveau et le reste des organes le temps qu'on essaye de récupérer l'activité du cœur. Les taux de survie en arrêt cardiaque restent malheureusement encore très faibles. La mise en place d'une filière ECMO avec une participation multidisciplinaire cherche à augmenter la possibilité de survie de ces patients. En réalité, pas tous les patients peuvent bénéficier de l'ECMO. Ça va dépendre du type d'arrêt cardiaque, de la durée d'arrêt cardiaque, d'autres critères qui vont permettre d'offrir cette technique aux personnes qui vont vraiment bénéficier d'elle. Les gestes clés en cas d'arrêt cardio-respiratoire restent la réanimation cardio-pulmonaire immédiate et l'activation rapide du secours du 144 qui pourra déclencher cette filière ECMO si c'est indiqué. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, cette filière ECMO va donner des chances de survie supplémentaires à des patients qui seraient probablement décédés autrement.